Je vous rassure, mes chers amis, ce n'est pas un discours supplémentaire. Simplement, il m'appartient de vous remercier, surtout celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, parce que c'est les meilleurs qui sont dans cette salle. Merci pour cette belle journée. Nous avons encore demain une journée intense. Nous approuverons un texte sur la lutte contre l'extrémisme islamique. Il y a une réunion demain matin à 8h30. Et bien sûr, le texte du Congrès « L'Europe sécurise notre futur ». Je voudrais vous dire aussi que demain, nous allons attribuer le prix du mérite du PPE à Europol. Europol a accepté le prix du PPE, qui sera représenté par son directeur demain, et nous écouterons aussi nos vice-premiers ministres, nos chefs d'État, le président du groupe PPE, les présidents des institutions et bien sûr notre hôte Simon Busuttil. Et après la plénière, nous terminerons par un sommet élargi avec nos chefs d'État et de gouvernement sur la situation des Balkans ainsi que sur le Brexit. Et je remercie nos amis aussi des Balkans et du voisinage qui sont restés jusqu'à la fin avec nous. Vous voyez bien, vous faites partie de la famille et on ne vous oubliera pas, c'est promis. Il me reste aussi à remercier les orateurs et les panélistes pour leur contribution. Et je voudrais d'abord, en votre nom aussi, remercier tout le staff du PPE pour son excellent travail, la préparation qu'ils ont fait depuis 8 jours pour vous, le secrétaire général adjoint Luc Van den Bunck et avec son équipe pour avoir organisé l'événement et pour l'avoir mis sur les bons rails, le secrétaire adjoint Christian Kremer que vous venez d'entendre, le porte-parole Siegfried Morrison et son équipe, qui fait en sorte que les médias couvrent de manière intensive notre congrès. Et je voudrais aussi ne pas oublier les bénévoles de ce congrès au niveau du service de sécurité. Je voudrais les remercier en votre nom pour l'aide précieuse qu'ils nous apportent et qu'ils nous apporteront encore pour la journée de demain. Je crois que vous pouvez les applaudir parce qu'ils font ce travail bénévolement. Je compte sur vous pour la journée de demain. Je vous souhaite un excellent dîner. Et nous sommes très contents, puisque ce n'est pas le parti qui va le payer, mais c'est le groupe du Parlement qui va le payer, donc nous pouvons le remercier doublement. Et je me réjouis de tous vous revoir en bonne forme demain. Profitez de Malte, profitez de cette soirée, continuez à discuter. Comme ça, je suis persuadé, demain matin, ça va être un petit peu moins bruyant pendant que les orateurs nous parlent. Bonne soirée à toutes et à tous.